Ici, on se retrouve à l'heure de manger. J'ai un squatter, hein? Oui, Mimiou. Ouais, c'est parce que mes mains sentent la javel. Je crois que les chats, je sais pas s'ils aiment particulièrement ou s'ils détestent Non, particulièrement. c'est nocif. Oui, mais soit ils aiment bien, soit ils détestent, je sais jamais. Il déteste. Ils détestent, voilà. Bon, c'est pour ça qu'il s'est barré, parce qu'il a senti ma main qui sent la javel. Donc, Daden est en train de manger avec son bakounou et moi, je m'acharne à me battre avec ma plaque. Bon, ça va, j'ai pas trop mal récupéré. Là, il y a encore un petit peu des taches là que j'arrive pas à faire partir. Il y en a un, j'ai pas réussi. Alors, du coup, je l'ai recouvert de produits et je vais laisser agir pour que ça parte. Mais alors, ça, c'est le genre de truc qu'on fait pas souvent. On essaie de le faire toutes les semaines. Enfin, on nettoie. Toi, quoi, normalement, tous les jours après, enfin, tous les 2 jours après la cuisine. Mais bien décaper les trucs, on ne fait pas tous les jours, quoi. Et du coup, il y a des trucs, ça se barre pas comme ça. Voilà. Donc, c'était le programme de ce matin. J'ai pas mal fait de trucs de ménage. Comme tout le monde et tout adulte qui se doit quand il habite chez lui. J'ai aussi vu pour inscrire mon fils en maternelle. Je suis trop contente. Donc, je disais, j'ai appelé pour inscrire Eden en maternelle. Donc, à une école maternelle privée la plus réputée qu'on a sur notre secteur. Et ça devrait être bon. Rendez-vous mercredi 18 janvier. Ce qu'il m'avait proposé mercredi prochain à 15h, mais ils voudraient qu'Eden, bébé normal, soit présent. Le problème, c'est qu'à 15h, Eden, il dort, quoi. Il n'y a plus personne à ce soir-là. Donc, du coup, on a décalé la semaine d'après en matinée pour être sûr qu'il soit réveillé. Donc, du coup, au niveau des horaires, il commencerait à 8h45 et il finirait à 11h20. Et ce serait que sur 4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc, c'est très bien parce que du coup, je me demandais si j'étais obligée de le mettre sur 5 jours ou pas. Parce qu'il est quand même tout petit, Eden, étant né du 30 décembre. À moins qu'il y ait un bébé, enfin un petit qui rentre à l'école qui est du 31, il va pas y avoir bien plus jeune qu'Eden, quoi. Et Eden étant un gros dormeur, je préfère qu'il dorme bien à la maison, c'est ce que je disais avec la dame que j'avais. Tout peut changer en l'espace de 6 mois. Oui, après l'espace de 6 mois, il peut très bien ne plus dormir. À ce moment-là, on adaptera. Mais voilà. Il n'ira pas à la cantine parce que quand même les frais. Quand c'est une école privée, bah, il y a les frais d'inscription, il y a les frais à l'année, le matériel pédagogique. La cantine, bah, c'est pas en fonction de ce que vous gagnez, comme une école publique, ou en fonction de ce que vous gagnez, bah, vous payez. Si vous gagnez moins, bah, vous payez moins. Si vous gagnez plus, vous payez plus. Du coup, là, le frais de cantine, c'est quand même 5,10 € le repas. Donc, c'est quand même un sacré budget pour ceux qui font manger leur enfant tous les jours à la cantine. Donc, Eden est en petite section, je vois pas l'intérêt. La petite section, il la fera le matin à l'école. Il aura. Là, j'ai vu aussi pour l'inscrire au Baby J parce que c'était à partir de ses 2 ans officiels. Donc, j'ai appelé, mais je tombais sur le répondeur. Donc, ils doivent me rappeler. Donc, voilà, j'ai fait pas mal de choses sur l'inscription d'Eden et du ménage. C'était le programme de ce matin. À la sieste, le bébé. Oui, on fait des bisous quand on va à la sieste. Oh, quoi? À tout à l'heure, moi putain, je vais me coucher. À tout à l'heure, mon amour. Fais une bonne sieste, sois sage. Coucou les filles, bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Adam ne fait pas de sieste, il est dans le jardin avec Papounou. Je sais pas si vous pouvez voir grand chose avec le rideau, ils sont des entreaperçus par là. Je suis en train de faire depuis plus d'une heure, et une heure, quasiment 1 heure et demie même, depuis 14h, le tirage au sort des gagnantes des lots. Donc, tous les concours sur Facebook, vous avez toutes été contactées pour celles qui ont participé pour Facebook, parce que c'était déjà le plus simple pour le contact. Et là, je suis en train de contacter, enfin de chercher à contacter les gagnantes via leur Instagram. Mais déjà, la première que j'essaie de sélectionner a oublié de mettre son compte en public. Donc, du coup, je vais attendre 1 ou 2 jours pour voir si elle le passe en public. Sinon, malheureusement, bah, je ne peux pas vérifier qu'elle soit. Voir, non, on peut pas avoir les abonnés. Je peux pas avoir tes abonnés, je dirais pas son nom parce que la pauvre, si elle le voit et qu'elle le voit trop tard, elle va être dégoûtée. Du coup, pensez à mettre en public vos comptes Instagram, les filles, si vous avez oublié comme ça, avec ce vlog, ça vous laisse le délai d'une journée supplémentaire pour le faire. Et de toute façon, j'ai bien noté les noms des personnes qui ont été retenues, donc je vous laisse un délai d'un ou 2 jours si je vois que les comptes ne sont pas en public. Mais faites-le, les filles, parce que sinon, du coup, je vais être obligée de retirer au sort quelqu'un d'autre. Si c'est l'heure du bain, Eden n'a pas fait de sieste. Je vais prendre les petits bains avec mon petit bébé, c'est un petit moment, de temps en temps, une fois par mois, à peu près. Je prends le petit bain, bon, on s'en fiche. Ça me permet de passer un moment où on s'amuse bien avec lui dans le bain, on rigole, on joue avec tous ses jouets, avec l'eau. C'est rigolo, hein? Du coup, je vais mettre une petite playlist de musique sur mon portable et on va se prendre le bain entre maman et bébé. Ouais, c'est parti! Oh, you walked the wire, you paid the price. Oh, you wept some tears like
Still echoes in my head. We would make the cutest cup. Et voilà, ça y en est, tout propre. Mon bébé, il est en mode petit lapinou. Et moi, en mode gros lapinou. Chouchou, il dit, il m'a vu en pyjama, il m'a fait waouh, c'est trop sexy. On peut dire enceinte sexy, j'ai un peu de vie, je vois pas trop comment avoir un pyjama sexy enceinte quoi. J'ai mis une veste que je rentre encore mon bidou dedans et le pantalon de pyjama qui va avec quoi. Le plus classique. Et toi, tu la trouves belle, maman? Je prends ça pour un oui. Elle est belle, maman. Hein? Est-ce que maman, elle est belle? Ta réponse me laisse perplexe. Merci, mon ange. Bébé squatter. Oh, mais j'ai pas vu. T'avais chopé discreto la manette à papa. Tu sais que t'as pas le droit. Oh oh. C'est quoi ce gros bidou? Bref, faut qu'on aille au coiffeur, hein, pour être beau dimanche, hein. Quoi? Alors aller au coiffeur pour Deden. Hein? Ouais. Maman, cette fois, elle laissera les mains au coiffeur pour coiffer bébé. Une professionnelle. Une professionnelle. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es bien là? Ça va devenir tout rouge de la tête. À faire remonter le sang. Va me faire manger le bébé. Là, tu vas faire une roulade? Ses fesses. Ses fesses. C'est quoi ses fesses? Tu fais coucou papa à l'envers, c'est ça? L'impression d'Eden du moment. Faire la roulade. Eden, il va pas tarder à manger parce qu'après il va aller au dodo parce que bébé il a pas fait de sieste, alors il est un peu casse-pied, ralouné beaucoup. Oulala, 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 qu'est-ce qui se passe? Ouh, une dada. Oula. Bon bah dis, qu'est-ce qu'il fait papa dans la cuisine? Ouh, t'entends qu'il y a du bruit, du miam miam, il est en train de... Mais par où sortir? Je suis emprisonnée. Coucou soir, on se retrouve et bien sort de table. Moi je me fais un petit café. Je crois que j'ai mis le temps que je mets d'habitude pour Eden, je me suis plantée. Ouais. Un cacao. T'as mangé comme ça caché? Oui. J'ai mangé des tomates cerises aussi. Et là du coup je me fais un petit cacao parce que j'aime bien. Ok, on buvait pas souvent, mais quoi de sucré, j'aime bien boire un cacao. J'ai pas mangé du gratin, mais j'ai pas envie du gratin. Du coup Anthony il m'a montré le gratin, il m'a fait ouais, du genre et ça, tu manges pas? New sur les choses ou quoi? Je suis grande maintenant, j'ai le droit de choisir ce que je mange. J'ai un souci. Il est trop chaud, je peux pas le boire. J'ai refait chauffer et j'ai trop fait chauffer. On s'est jamais dosé pour les cacao. Moi, à chaque fois, je me fais avoir. C'est avec les bites d'Eden que j'arrive bien à doser au niveau chauffage. Enfin, chauffage. Bah, les bites d'Eden, c'est pas compliqué, tu mets une minute et puis voilà. Quand c'est sur du frigo. Non, moi je mets 50 secondes. Oui, oh, alors j'ai pas le temps, et là mon cacao, et ben voilà. Ouh, tu t'es fait arnaquer par le loup là. Ouf, bon bah écoute, c'est pas grave hein, s'il y a de profil, qu'en dis-tu? Non. Oui, et c'est quoi qu'il a dans la bouche? Gros, le boxier.
C'est rigolo. Le petit cochon, il fait du bruit. T'as vu? Voilà. Hop là. I've kept my heart inside a box, threw away the key. You found your way under my skin. Now I come undone. The walls that I built on weakest paper, my castle is falling from the sky. Ain't nobody else has made me lose my grip before. Yeah, I come undone.